Et à tout le monde! Et bonjour à toutes et à tous, c'est Zéro, bien sûr. Aujourd'hui, on est. Bonjour et bienvenue sur Formula! Un petit mode, pas c'est pas un mode, bien sûr, mais c'est le mode, comme on peut l'appeler comme ça, voilà. Sans dégâts, sans rien du tout. On s'amuse, mais vraiment, on va s'amuser, c'est parti. Moi je vous dis let's go, on a pris Mick Schumacher parce que voilà c'est Mick Schumacher. Wait, regardez, hop, voilà, déjà on va mettre ça bien. Voilà, et là on parle peut-être français. Oh là là, c'est magnifique, merde, le départ. Ok, c'est parti. Putain, mais c'est quoi cette cam de merde? J'avais oublié. Je crois que c'est celle-là, hein. Ouais, c'est celle-là. C'est pas celle-là. Putain, je mets laquelle? Bah si, c'est obligatoirement TV Pod. Mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué avec la bonne caméra. Je suis un troller, moi. Oh merde, merde. Ah bah, y'a pas de dégâts, let's go. Non, vraiment, on va s'amuser, vous allez voir. Allez, c'est parti. Dégage, toi, oh. Je sais pas, je les ai mis à combien. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Regardez, bam. Ah mais attendez, on a un problème. Les pneus, ils vont chauffer, là. Ils chauffent, là. Ouais, ils sont déjà un peu chauds, hein. Bah, notre but du coup c'est de faire premier. J'ai lancé un mode Grand Prix, voilà. C'était juste pour faire une petite vidéo pour rigoler un petit peu. De temps en temps ça change. Ça fait longtemps, hein, que j'ai pas roulé, hein. Vive F1 2022. Et du coup je disais quoi? Ouais, du coup mode Grand Prix, comme ça, juste un en solo. Alors là c'est tout droit, hein. Ouais, vite fait quand même. Faut qu'on apprenne le circuit aussi, hein. Et du coup ouais, ils m'ont mis à 31 les bots. Oh, c'est plutôt cool, hein, pour les rattraper facilement. Tu prends moyen, hein. Ah voilà, on trouve des meilleurs virages quand même, c'est un peu plus marrant. On est revenu à 2 secondes de lance. Ah bah non, attendez, Ocon? Qu'est-ce qu'il fout là, Ocon? Ocon c'est vraiment le pire joueur de F1 2022, hein. Pas sur le paddock bien sûr. Même si Alonso a l'air d'être au-dessus cette saison, bien sûr, hein. On peut débattre Formule 1. Bien sûr, je regarde pratiquement tous les Grands Prix, j'ai dû en rater un. Il s'appelle le Grand Prix d'Australie, il est à 7h du matin. Hop, petit Wallit là. Après un petit coup de RS pour aller chercher Lance Stroll, le fils de Lorenz, hein, j'aime bien l'appeler moi. Son père, hein, Lorenz Stroll, hein, patron d'Aston Martin, hein, j'allais dire Aston Villa. Pourquoi pas? Parce que j'ai quand même bien grugé là. Faut en parler, allez Choumi. Attendez, un petit Wallit là. C'était peut-être pas la meilleure solution. Allez Wallit, va falloir être un peu plus intelligent que ça, hein, que de rentrer à fond la galette sur une voiture. Mais vous inquiétez pas, on fera des meilleurs dépassements à un moment. Regardez, là, gros dépassement sur fils de Lorenz et Esteban. Receveur, magnifique, magnifique. On va aller chercher maintenant le petit Alex, là, Albon. Assez facilement, hein, je pense qu'on va le doubler à l'extérieur, parce que, bon, les bottes, voilà, voilà. Avec un petit Wallit à la sortie, même pas, il n'y a même pas besoin de... J'ai glissé, il m'a pas poussé, ne vous inquiétez pas. Ne l'insultez pas, insultez-le dans les commentaires, ce petit Vietnam. Ouais, c'est chaud à dire, c'est un Thaïlandais, en plus, c'est pas un Vietnamien. Je suis vraiment le pire, moi. C'est un Chinois, ça. On sait qu'il y a un DRS, on va pas se prier de l'utiliser, de prendre une petite aspi. Non mais vas-y, mais aucun n'y prend l'aspi d'Alex. Attendez, on va tous les prendre à l'extérieur, c'est cool. Regardez, c'est maintenant. Oh, cette accélération, mais waouh, waouh, waouh. Mais voilà, appelez-moi Gotia. Avec des bottes à 30. C'est un peu nul des bottes à 30 pour moi, quand même. Quand même, c'est un peu nul les bots de Vosgien dans les commentaires. Ok, oh, t'es un peu nul ce Vosgien. Mais on est là pour rigoler les gars. Magnifique, eh là c'était magnifique. Là un petit coup du RS pour aller chercher Guan Yu. De son nom. De son prénom, Joe. Non mais ah, Lewis. Putain, je vais lui rentrer dedans moi. Oh oh. Oh let's go, Pierre Gasly qui m'aide. Oh là, montrer dans les écoles ce dépassement. Regardez, externe, inter. Bon, re-externe du coup. C'est pas une défense ça, Alex. Ceci n'est pas une défense, Alex. Allez, gros freinage. Parce que c'est rigolo, hein, de traîner dans les derniers, mais... Notre but quand même. Les gars, attendez, faut aller au stand, c'est vrai. Oh, mais y'a pas de règle. Là, il y a des gens au stand, c'est vraiment de voir un petit peu ce qu'on a fait quand même. Est-ce qu'on a fait du taf? Ouais, on a fait du taf littéralement, hein, viscéralement, je sais pas comment on peut dire, mais... Il est rigolo, hein, le Jeddah sans règles, avec les Wallits, sans collision.
Bah, il y a les collisions, mais vous avez capté quoi. Il n'y a pas de dégâts sur les voitures. C'est vraiment pas mal. N'hésitez pas à le faire. Hein. Si vous avez le jeu, vous mettez un petit. Ça s'appelle un mode KO, hein, tout simplement. C'est ce qu'on fait souvent avec, avec mon ami Cherkov. Dylan, de son prénom, bien sûr. Hein. Vous pouvez le retrouver sur Discord. Lui passer un petit bonjour. Hein. N'hésitez pas à aller voir dans les commentaires, dans la description, pardon. C'est très important, vous le savez, hein, maintenant, de toute façon, hein, les réseaux sociaux, tout ça, hein, voilà, n'hésitez pas à y aller, hein, qu'il y a des petits bisous sur vos fesses. Ok, bah là, voilà l'undercut, hein, il a bien été effectif, hein. On a utilisé un deuxième flashback, je vous l'ai pas montré, hein, mes petits koalas, mais bon. Ouh, c'était difficile tout ça. Je l'ai utilisé, voilà, je suis rentré avec Albon en le dépassant, il est à la vers la 12e, 13e place, je suppose, environ. Voilà, on jouait à la 10ème place, et puis j'ai voulu un peu troll dépasser en intérieur, je me suis bouffé un mur avec lui, et ça fait un peu n'importe quoi, mais voilà, bon, merde. Ouais, ça va quand même. Voilà, et puis ça finit comme ça un peu. Mais voilà, bref, du coup, bah voilà, nous voilà 5ème, plus 7 tours, 6 tours, pardon, pour essayer de rattraper quand même le gros du peloton, hein, Max Verstappening, Carlos, l'autre Carlos qui est aussi chez Ferrari. Bottas c'est premier. Je crois qu'on fait le meilleur tour. Let's go. Mick Schumacher. Oh, regardez le dépassement là. Oh là là, c'est dans la continuité. Faudrait que je parle tout le temps en fait. Je suis beaucoup trop chaud. Mais bon, je peux pas tout le temps parler aussi. Après ma gorge avait éclaté. Puis faut que je reste concentré parce que j'ai quand même utilisé deux flashbacks. J'aime bien m'appliquer la règle de trois flashbacks sur. Sur une course, au moins ça force à pas grid. Hein. Quand t'es en solo, c'est facile, mais c'est en fait. C'est le jour où. Leclerc a pris la tête, d'accord, pour une fois qu'ils disent ça. Le jour où tu joues en multijoueur, en fait, bah tu te dis ah merde, je suis plus la merde. Et en fait, tu fais qu'un tour, deux tours ou trois tours. Et c'est pas le but en fait, hein. Le but c'est quand même d'être fort au jeu. Voilà, par exemple, rattraper ce genre de conneries, c'est ultra intéressant quand t'es en multijoueur. Regardez. Mais non, mais Bottas, il est trop fort en fait. Il était vraiment premier. Bon, je vais avoir le DRS, donc ça va, mais... Wouah, Bottas, c'est vraiment le dieu, quoi. Oh non, il va au stand, Valérie. Oh, il abuse. Il abuse. Encore meilleur tour, let's go. Non, non, il abuse, vas-y, j'ai cru qu'il était fort, mais en fait, il est rincé. Il est rincé, quoi. Nul de chez nul. Par contre, je vais être premier un peu trop tôt, moi. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant. On voulait une vidéo épique. Oh, Charles. Ouais, ça va être épique, ça. Ok, ça va, pas besoin de mettre de marche arrière, un petit wheeling, un petit burn. Oh non, non, moi je sais pas faire. Attendez, m'insultez pas dans les commentaires. Putain, Charles, il est dans la sauce là. Oh, il attend que tout le monde passe. Non, non, non. Bon, allez, on doit refaire tout le travail. Après, il y a aussi un truc que je vais faire, c'est faire quelqu'un P1. Vous avez compris le concept? C'est vrai que j'aime bien faire du troll hein, sur F1. Bah, ça reste pour moi quand même, j'aime beaucoup m'amuser sur les jeux. Donc. J'aime beaucoup tryhard aussi, mais bon, les jeux de voiture, ça va quoi. Bon, Rocket League ne compte pas, bien sûr, parce que c'est un jeu de voiture. C'est chaud d'aller plus vite qu'une Mercedes quand même. Hein. J'ai une petite idée quand même pour le doubler, mais bon. Bah, c'était une très mauvaise idée. Si on enlève Mick, ça fait Schumacher. Schumacher, c'est quand même. Voilà. C'est quoi, 7 titres de champion du monde? Peut-être. C'est exceptionnel. Donc, Schumacher reste Schumacher. Si on enlève le prénom. Ça donne du suspense pour la vidéo parce que regardez là on prend combien de secondes à faire ça. On prend bien une seconde à faire ça. Donc on va revenir en faisant trois fois ça. Ouais, ouais bon y a pas qu'un seul virage où on peut gruger hein. Déjà sur les lignes droites les bottes sont pas très forts malheureusement. Malheureusement. Et c'est qui a dépassé comme ça? C'est pas Vettel qui avait dépassé Non c'est Russell. Leclerc, oh je sais plus du tout c'est qui. Putain merde, je regardais pas du tout mon écran. Et ouais, je pense que je ferai ça la prochaine fois. Faudra que je mette quelqu'un premier. Bon, forcément, je vais pas mettre Max Verstappen, mais je vais prendre genre Latifi. Bah, je vais pas prendre Latifi justement. Je vais prendre quelqu'un qui roule. Je vais mettre les bottes à zéro, je suppose. Ou bien je les mets trop fort, je sais pas trop. Je vais essayer de lui faire un bel accident, hein, Max. Ouais, et puis le but ce sera de mettre la Tiffy première. On va regarder là, c'est tout droit pour lui. Hein. Bon, les gars, c'est parti, c'est le dernier tour Yvette. Entièrement commenté, bien sûr, par la Zovogien TV. Mais que voulez-vous? Mais Loïc Le Koala est toujours présent en fait.
Et vous aussi, mais quoi là, j'espère que vous avez... Et un petit commentaire, mettez un truc, je sais pas. Enfin bon, faites-moi plaisir quoi, de temps en temps. Attendez, parce que ouais, je regarde pas mon jeu, donc forcément ça va pas. En fait, je regarde mon retour, mais y a pas de chat, donc je pourrais vous regarder là, mais... Vas-y, hein, on n'y pense pas forcément. Après, c'est bien, je prends l'habitude du chat. Bref, c'est le dernier tour. Et c'est parti pour Bichouareur. Putain, mon ERS est plein. Merde, il faut peut-être... Il y a aussi les rapports qui sont pleins. Il faudra peut-être passer les rapports. Et c'est parti. Avec le premier virage, est-ce que ça va être possible, hein? 2 secondes de retard, hein, sur Carlos Sainz. Je sais pas si ça va être possible, hein, moi. Allez, on est à moins d'une seconde en tout cas. Ça continue avec, une grosse poussée, hein, de Mick Schumacher, hein, bien sûr, le descendant de Michael Schumacher, qui joue face à son ancienne écurie grâce à un moteur de cette même écurie, hein, d'ailleurs. Oh là là, il n'arrive pas à le dépasser pour l'instant, il ne trouve pas la solution. Mick Schumacher, c'est assez compliqué, il essaie de prendre l'extérieur. Malheureusement pour lui, ça va passer, ça va passer pour Mick Schumacher, qui va peut-être pouvoir un petit peu s'imposer aujourd'hui à Jeddah. Carlos Sainz qui est en train de mettre la pression, attention à Mick Schumacher, on connaît. Oh, le blocage de roue. Oh, j'avoue, je fais exprès, Ça met un peu de pression, regardez, un peu de suspense, c'est incroyable ce qui se passe. Qui a déjà vu ça dans l'histoire de la Formule 1? Bah, personne, je pense. Bah, je suis pas assez vieux pour avoir vu toutes les courses de la Formule 1 de ma vie. Mais voilà, allez, c'est parti en tout cas entre Mick Schumacher, le descendant de Michael Schumacher, et Carlos Sainz, le descendant de Carlos Sainz. Non, mais attendez, mais putain, mais ils ont pas fait d'effort sur les prénoms quand même. Les gars, faut pas. C'est comme si j'appelais mon fils Loïc en fait. Non, c'est pas, c'est non. Bon, après, l'Allemagne, voilà, 999, et puis les Espagnols, ya, je suis pas sûr de ça. Hein. Non, c'est de l'allemand que j'ai pas encore, hein, ya. Mais voilà, vous avez capté le bail, quoi. Ils sont un peu bêtes, voilà. Junior, senior, ma bite, oui. Allez, en tout cas, c'est le dernier virage, faut pas se tromper, parce que bon, ça serait un peu large chouma quand même. Et voilà, je te baisse, Carlos Sainz. Ciao. Regardez les rétro et on dit ciao. Voilà, bravo Mick Schumacher, tu as réussi, oui. Allez, on va voir le podium et on se dit au revoir mes petits koalas et mes petites koalettes. Oh, ouais, Mickey, let's go, le podium, profitons. Mais non, en fait, on n'a pas envie de l'écouter en fait. Ça y est, c'est fini, mais quelle course d'anthologie de la part de Mick Schumacher qui a su s'imposer à Jeddah. Jeddah, une ville en Arabie Saoudite, bien sûr, si vous ne connaissez pas Jeddah. Pourquoi je dis Jeddah? Et ben, c'est tout simplement le Grand Prix d'Arabie Saoudite en ça. Voilà, moi je vous fais 1000 bisous, portez-vous bien. Voilà, comme d'habitude de toute façon. Mais c'est marqué en bas, Jeddah, regardez là, je peux pas prendre ma souris, voilà, c'est là, regardez. Là-bas, en bas, au-dessous de Zhou Guanyu. Allez, bref. Comme d'habitude, hein, je vous ai dit de toute façon pendant la vidéo, les commentaires, les pouces bleus, tout ça. Moi, je vous fais 1000 bisous, portez-vous bien. Et comme d'habitude, une seule légère chose à vous dire, c'était Zovogia. Ciao, ciao.